Yo mes potos, bon, je vous la fais courte, je suis arrivé à Sapa hier à 1h30 de l'après-midi. Je me suis baladé un peu dans la ville et là j'ai rencontré Mamazei. Elle fait partie de la tribu des Mong et elle m'a dit bah écoute si tu veux on peut aller se balader dans la montagne, je peux t'amener voir mon village. Donc voilà, bah, c'est parti mes potos pour un petit trek avec Mamazei en direction de son village. À plus. Bon mes potos, on arrive à la maison de Mamazei. Voilà. On a déjà bu un petit peu d'alcool de riz ensemble, tranquille. Là, ils ont coupé du cochon qu'ils ont tué, du black cochon, et qu'ils ont fait sécher pendant des mois et des mois. Donc là, on va goûter ça. Et puis juste avant, elle me dit, pour te souhaiter la bienvenue, nous ici, c'est la tradition. Donc elle m'a montré le bang, là, le petit bang. Et puis elle m'a montré un tout petit peu de ganja. Voilà, c'était juste pour me souhaiter la bienvenue. Donc bien sûr, ben, j'ai pas pu refuser. Donc voilà. Merci maman. Very nice. Maman, see you next year maybe. Okay, see you Okay. next year. And thank you very much. It was Okay, very nice. thank you. You help me too. Okay, thank you. Kiss You maman. got there. You got to tap on and you see people, French people give me come. Yes. Okay, with pleasure. Okay. Okay. Thank you, maman. You're welcome. Thank you. Bon mes potos, bon, cette petite vidéo aura été un petit peu courte, mais bon le truc c'est que j'ai pas vraiment eu de chance au niveau du temps. Enfin, il faisait beau quand on est parti de Sapa. Sapa la ville elle est déjà à 1600 mètres d'altitude et bien sûr bon, on a fait que monter, donc on a dû se retrouver à 2000 mètres d'altitude. Et autant il faisait beau à Sapa en bas qu'en fait quand on s'est retrouvé dans les montagnes, on était en plein dans les nuages. Donc bon, il y a des moments où c'était dégagé, où j'ai pu vous montrer quelques décors, mais toutes les plus belles choses en fait, toutes les rizières étagées qu'il y a à Sapa, bah, souvent j'étais avec Mamazei, elle me disait bah tu vois David là derrière les nuages où on voit que dalle, et ben derrière il y a toutes les belles rizières quoi. En fait elle était même un peu triste de pas pouvoir me montrer ça. Enfin voilà mes potos quoi, du coup ben, je voulais rester une journée de plus histoire de vous filmer la ville de Sapa, malgré que ce soit pas super intéressant. C'est quand même, c'est assez particulier comme endroit, on peut pas vraiment dire qu'il y a
qu'il y ait beaucoup d'âme ici, quoi. C'est un peu surfait. Il y a que des restaurants, des anciennes qui clignotent avec plein de lumières partout, un peu bling bling, quoi. Il y a un endroit qui est super étonnant parce qu'en fait, ils ont fait un hôtel de luxe, mais un truc, on croirait que c'est le Carlton à Cannes. Donc, on a l'impression que l'architecture, c'est Paris, quoi. Il y a une station de train, il y a une église catholique. Et puis voilà, c'est deux hôtels avec une architecture, mais à la française, mais à 100%. Donc ouais, c'est super étonnant de tomber là-dessus. Enfin bref, voilà, bah, je voulais rester un jour de plus pour vous filmer la ville. Le truc, c'est que bah, les Vietnamiens nous expliquent bah, qu'il va pas faire beau dans les jours à venir. Je suis allé vérifier à la météo, bah, c'est pareil. Donc du coup, bah, je vais pas perdre de temps ici parce que je vais pouvoir vous filmer que dalle. Il y a des nuages dans la ville, on voit rien du tout. Donc ce que j'ai fait, je me suis déjà booké un bus, retour à la case départ, on repart à Hanoï. Bien sûr, il faut que je retourne là-bas bah, pour pouvoir bouger ensuite ailleurs au Vietnam. Donc voilà mes potos, je vous laisse. La prochaine vidéo va être dans à peu près 4 ou 5 jours, pas avant. Par contre voilà, je vais aller dans un endroit exceptionnel au Vietnam, un endroit bah, de légende dans le monde. Pour ceux qui connaissent l'Asie, bah, vous voyez carrément ce que c'est. Pour les autres, bah, vous aurez la surprise dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse mes potos, à plus. D'accord.